Bonjour et bienvenue sur Comme d'habitude Gaming en compagnie de Knarfong pour un nouvel épisode de Assassin's Creed Rogue. Allez go, c'est parti. J'ai le temps de lire le nom de la mission, c'est pas grave. Aucune importance, encore deux missions et on a fini le jeu. Que la taille de Londres de Paris. Es-tu sûr de pouvoir trouver cet endroit? Je l'ai vu comme je te vois, Hope. C'est un couvent, situé tout près du port. J'y ai peut-être croisé quelques sœurs dans le passé. Eh bien, puisque tu connais déjà les lieux, cette tâche éminente te revient. Comprends-tu ce que tu dois faire? Localiser le temple et récupérer le fragment d'Eden. Nous avons trouvé un navire pour traverser l'océan. À New York, je veillerai sur le Morrigan. Merci. Liam et moi partons sur le champ. Liam n'est pas en mesure de t'accompagner. Ton navire t'attend. Sois prudent, Shay. Les fragments d'Eden sont de puissantes reliques. Enfin, puissant. C'est casu, quoi. Ça faisait trop longtemps que je l'avais pas sorti. Genre, au moins depuis la vidéo précédente. Spawn pour Pugesh. Oh. On fiche à Lisbonne, je croyais que c'était New York. Les fêtes de la Toussaint. Quel spectacle. Et me voilà à chercher une relique plus vieille qu'Adam et Ève. Nous vivons une étrange époque. Benedictus est, Domine, Deus Universi quia de tua largitate acepimus vinum, quo tibi offerimus, fructum vitis et operis manum hominum. Ex quo nobis diet potus spiritualis. Oh, des éléments de parcours. Incroyable. Je grimpe en pleine messe, ça dérange personne. Ça n'a pas l'air de déranger qui que ça soit. Et voilà. Parce que voilà quoi, hop. Ah, attends, tu m'as dit qu'il était où l'autre? En face. Vas-y doucement, casual gamer, quand même, hein. Soulève une dalle, ça dérange personne. Casual gamer représente des véritables PNJ en carton. Allez, ils ne réagissent absolument à aucun stimuli. Ubisoft et Casual Gamer vous présentent le parcours le plus simple et l'énigme la plus simple de tous les monuments historiques jamais réalisés par le studio. Ouais! Ouh! Avec, je suis certain, un dégât de chute non mortel. Ouais! J'en suis certain! On va vérifier ça tout de suite. Y a un élément secondaire ou... Non, même pas de quête secondaire. Suicide! Non mortel, j'avais raison! Oh. Ouh. Félicitations! Vous avez déverrouillé le succès. Ah, casual hardcore gamer! Oh. Le site des précurseurs. Le site des précurseurs, alors attention, parce que dans ce site, faut courir un peu tout droit comme ça. Là. Oh, une pyramide! Mais qu'est-ce donc?
Ah bah c'est Illuminati, ça se voit bien, non? C'est la relique. Hein? Je dirais le Bignou dans... Le Bignou dans... Comment ça s'appelle? Ça porte un nom. Dans Unity? Qu'est-ce que je dis? Destiny? Le Bignou qui vole, le petit druide qui est censé faire de l'humour, hein, complètement naze. Wow. Casu et Gamer vous présente une scène entièrement cinématisée que vous ne pourriez pas réussir sinon. Ouais. Avec du parcours en ligne droite, yes. Avec absolument aucun saut, waouh. Avec des tas d'effets pyrotechniques et tout, waouh. Ah ouais, non, excuse-moi, c'est... J'allais te dire ça, il faut grimper et tout, mais non, c'est Casual Gamer, c'est... Non, tu grimpes pas, t'es un assassin en carton-pâte. Waouh, attention, avec des gens et tout. Ça change strictement rien à ta vie, waouh. J'allais sauter sur le côté, hein, par réflexe, hein. Wow, avec une église à Lisbonne qui s'effondre, parce que bien sûr c'est un jeu américain. Yeah, même si c'est nord-américain, c'est américain quand même. Il faut tout casser. Wow, il faut détruire l'Europe. Péter la tour Eiffel. Wow, attention, une action 100% cinématisée. Wow, j'ai l'impression d'être un putain d'acrobate. Au moins, grâce à ça. Ouh. Attention, du parcours. Wow. Ah, y'a même pas de saut, hein. Ah, mais les mecs, vous êtes en train de faire un jeu où le Portugal tout entier s'effondre. Ah. Ah, Casual Gamer vous présente un jeu qui déconne. Félicitations, un jeu buggé. Oh, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qu'est-ce que c'est de la merde. Ah, il faut se faire un petit jeu de merde de temps en temps. Savoir apprécier les bons jeux. Voilà. Alors question aussi, est-ce que Casual Gamer me pénalise si jamais j'avance pas assez vite? Genre je peux perdre et tout si je marche. Ah oui! Oui je... Oh! C'est cinématisé! Oh, magnifique! Ok, le jeu est même pas fichu de t'infliger de vrais dégâts, il te met juste une scène cinématique, t'es mort. Bon allez, allez, salut! C'était génial, avec des gens qui te courent pile en travers, ils attendent que tu te pointes pour courir en travers. Parfait! Oh, ça a failli bugger, ça a failli bugger. Oh, ça a failli bugger, c'était là que ça avait bugué. Yeah, ça a rebugué. Yeah. Casual Games vous présente un jeu pourri, ouais. Avec des bugs redondants. Grâce à ce bug, je suis déjà mort deux fois. Alors que les dégâts de chute ne tuent pas. Tu sautes de 10 mètres, t'as pas mal aux jambes. Par contre, un bug HM. Ouh. Bim. Bim. Alors, faut bien passer au milieu. Voilà, là c'est bon là. Voilà. Vous direz le géant de pierre qui se réveille. Vous savez, les titans de pierre et tout. Ah non, excuse-moi, c'est toujours tout droit. Wouah. Ouh. Ubisoft vous présente un parcours qui sert à rien puisque tu peux passer par en bas. Ouais. Le jeu est trop bugué pour te le faire emprunter. Ouais. Parfait. J'ai trop occupé à calculer trop de trucs automatiques en plus. Ouais. Trop cool. J'ai failli avoir peur. Oh non. Comme c'est dommage. Ah, ça perd l'hippopette. Voilà. Oh mon dieu. Mais cette scène est tellement immersive. Wouh. Ouh, j'ai tourné trois fois en tout et pour tout dans le jeu, hein. Et j'ai effectué un saut. C'est-à-dire un moment où j'ai dû appuyer sur A pour sauter, c'est-à-dire l'endroit buggé. Sinon c'est tout. Ah, c'est chaud, hein. Ah, ça pique, hein. Là, vous voyez, j'ai même pas besoin de tourner, en fait. C'est la caméra qui tourne elle-même. Voilà, faut que je la redresse un petit peu, quand même. Ah. Ouais, oh, avec une scène entièrement cinématisée. Bravo, bravo. C'est une action qui n'existe dans aucun Assassin's Creed, donc ils l'ont cinématisé plutôt que de la créer. Ah ouais, excuse-moi, faut que j'aille par là. Voilà, oh ouais. Vous vous rendez compte qu'il y a au moins 10 km de ville qui viennent s'effondrer là. Ah oui, non mais faut peut-être pas sauter non plus en bas comme ça n'importe comment.
Fallait peut-être faire un saut intelligent à un moment donné, excusez-moi, fallait faire un... Moi, le seul saut que j'ai fait, c'était pour éviter un bug, je me suis dit, ça suffira. Non, faut quand même sauter à un moment donné, oh, faut arrêter les conneries, quoi. Même le jeu lui-même te dit, contrairement, oh. C'est pas non plus un QTE, hein, le jeu peut te dire. Hein. Bah, pour moi, ça revient à dire, c'est un QTE, hein. C'est-à-dire le truc préféré des AAA. Le AAA, pas de gestion, parfait. Que de la cinématique. Fuck le gamer. Ah, un petit bug, hein. Hein. Wouah. Cinématique de ouf. Oh là 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 là. Alors, ah bah ici en fait, je suis couillon. Yes. Ouh. Quatrième virage que j'ai pris et c'était le deuxième saut. Ouais. Wouh. Ouh. Yes. Ah, depuis tout à l'heure, je suis toujours tout droit. Hein, et je voudrais. Et franchement, sans déconner, j'aurais presque envie de filmer mes doigts tellement je suis inactif. J'ai la marque des touches dans les doigts là. Tellement je fais rien. Tellement c'est fou, tellement je fais rien. Ouais, d'accord. Donc bon, bref, tout le Portugal a coulé comme Los Angeles en 2055. Hein, Los Angeles coulera définitivement en 2055. Ça commencera en 2025. Et ça finira en 2055. En 30 ans, ça va se faire. Ouais, c'est moi qui le dis. Voilà, je suis comme ça. Je suis un prophète. Voilà. La force du courroux divin. Dieu n'a rien à voir là-dedans. Ouais, seul Ubisoft est responsable, je vous rassure. Ubisoft, c'est de la merde. Voilà, la capitale du Portugal. Est entièrement effondrée, en ruine, incendiée. Genre, c'est normal, quoi. C'est parfaitement normal. C'était un jeu Casual Games. Merci d'avoir joué. Oh, et j'ai dû gagner genre 3% pour ça. Ah, regardez, je peux faire des virages et tout. Oh là, excusez-moi, je me faisais un petit kiff. Hein. Genre, j'avais l'impression de jouer là pendant un instant. C'est superbe. Alors, quelle ville dois-je rayer de la carte cette fois? La tragédie d'Haïti s'est reproduite au Portugal. Un terrible séisme. Des milliers de morts du fait de votre manuscrit. C'est impossible. Personne ne peut déclencher un séisme. On le peut, en activant les machines des précurseurs. Tu as vu la boîte Hope. Le temple était comme animé d'un pouvoir similaire. Vous m'avez fait massacrer des innocents. Comment oses-tu? Tu le défends? Achille m'y a envoyé comme Mackendal a envoyé son agent à Haïti. Par le diable, que se passe-t-il ici? Arrêtez! C'était une mission fort délicate. Peut-être as-tu... Vous faites bouger la terre. Qui êtes-vous pour décider du destin de l'île entière? Fais-le sortir. Liam se trompe s'il croit que je vais me laisser faire. Achille n'est pas digne de confiance. Il ne faut pas qu'il trouve d'autres temples. Rien ne peut justifier un tel acte. Ni son titre de Mentor, ni ses souffrances dues à la mort de sa famille. Et donc tu te dis, logiquement, pourquoi je deviendrais pas un Templier, du coup? Peut-être que les Templiers, c'est des gens bien. Du coup, tu vas aller les voir pour leur dire, est-ce que vous êtes vraiment des gens bien? Et eux, bien sûr. Parce que eux, ils sont pas trop cons, ils vont te dire, ouais, si sûr, ouais, on est des gens super bien, mec, ah, d'accord. Il n'y a qu'une chose à faire. Infiltrer le manoir d'Avenport, on va buter Achille. On va tenter de buter Achille. Car oui, énorme spoil, c'est encore le Mentor. Le Mentor, hein. Je vais l'appeler le Manta. C'est le Manta aux fruits rouges. Mais où peut-il être? Ah mais ça marche pas. Alors Chichil, t'as caché le truc? On est un méchant. Et on veut tuer les gentils. Il se passe un truc avec le bureau. Nous allons voler. Alors qu'on est un assassin, on n'a pas le droit de voler. Strictement réservé à la guilde des voleurs, bien entendu. Il est trop tard pour reculer.
J'avais fondé de grands espoirs sur toi, Shay. Achille, je n'ai pas le choix. Tu fais un choix pourtant, me semble-t-il. Tu choisis de détrousser tes frères. Tu choisis de me trahir. Il faut expier nos crimes. Expier ? Tu n'as pas conscience de ce que tu fais. L'avenir de tout le continent, peut-être même du monde entier, est lié à ce manuscrit. C'est possible. Mais nous n'avons pas à décider de cet avenir. Erreur. C'est notre responsabilité. Achille, nous sommes déjà responsables d'avoir tué des innocents et détruit des villes entières. Ce pouvoir nous aveugle. Cela doit cesser. Je ne te laisserai pas détruire tout ce que nous avons bâti. Tu viens de péter le carreau, crétin. De ce que tu viens de bâtir. Ouah, même pas de QTE. Le jeu pense qu'on... Vous êtes vraiment trop nul. Enfin, qu'on est vraiment trop nul. Au point de même pas nous offrir un QTE contre Achille. Assassin, attrapez-le. Empêchez-le de fuir. L'assassin qui gueule assassin. LOL. LOL of légende. Ah, on nous montre comment ça fait. Waouh, un tir de mortier au cas où vous n'auriez pas joué au jeu précédent. Ceci est un tir de mortier. Ne subissez aucun dégât, ne tuez personne. Waouh, parce qu'on est encore un gentil. Les gentils, ça ne tue pas les méchants. Les gentils, enfin les gentils ne tuent pas les gentils dès qu'ils sont des gens trop gentils. Franchement, ils sont trop sympas comme brave gens. Ah bah d'accord, je viens de me suicider. Ok. Oh, je me suis dit, tiens, faut sauter, le jeu veut pas que je saute. Bah ouais, bah visiblement, donc j'ai pas le droit. J'ai dû rater un passage casu. Casu passage. Ah, moi je me dis que j'ai un terrain de parcours, je le prends, j'en sais rien, non? Bon, déjà, faut que j'aille où? Je rejoigne la frontière, comment ça se passe? Oh, ils ont fait toute la carte de la frontière ensemble? Non, ah non, ok, d'accord. Bon, ouais, je pourrais même y aller à la nage en fait. Waouh, ça explose. Si je saute à la mer, je suis. Ah bah oui, mais non, mais l'eau tue là-dedans. Mais l'eau tue. Ah ouais, non, c'est pas grave, vas-y, bah tue-moi, assassine-moi. Blablabla. Personne. Ah ouais, en plus je vais être obligé de recharger toute la mémoire parce que j'ai déjà pris des dégâts. Oh là là. Alors ça aussi ça a toujours pas été réglé, c'est-à-dire qu'il faut que je refasse tout le début de la mémoire juste pour éviter. Ah non, c''est bon. Et voilà, vous avez perdu le fil et c'est tout. Et voilà, ça se passate et ça se passote. Qu'est-ce que vous allez venir m'emmerder? Où est-ce que je saute? Voilà, parfait. Parfait. Un caillou avec une balle, le mec est trop fort. Tiens, à courir très très vite comme ça. J'ai peur de la mort. Au secours, Jean-Rémy. Prime, motherfucker! Es-tu devenu fou? Non, ça va! Je te vois! Non. Oh, blablabla! Ah ouais, vous le prenez pas trop mal, les mecs? C'est moi, hein. Je suis un peu pressé, j'ai pas trop le temps, hein. Hein? Oh, t'es comme ça, toi! Mec, j'étais arrivé, gros! Oh, bâtard! Ouais, j'hallucine, quoi! Le mec, c'est une pute! Le mec, c'est une pute! Ah, d'accord, ok. D'accord, donc faut pas passer trop près des. Ouais, attends, je vais passer par les arbres, pour ça. Hop, si je peux passer un petit peu par.
Je peux essayer de gratter un peu. Si je peux essayer de gratter carrément en fait. Merci, on est mal. Je ne t'ai donc rien appris. Je dirais que si, mais je sais pas si c'était bien utile. Mais ni vu ni connu, je t'embrouille, hein, t'as vu ça? Eh hey mec, tu te demandes encore ce qui t'arrivait. Il faudrait que j'arrive à retrouver une... Je ne te laisserai pas t'enfuir. Ben, il faut un peu... Pourquoi tu m'as repair? Tu pouvais pas me repair. J'étais... Oh, blablabla. Lâchez-moi, hein. Ouais, d'accord, ok. Hop là, saute par ici. Hop là, hey, chaussette. Hop là. Il est connu, je t'embrouille. C'est bon, je l'ai esquivé, l'autre naze. Parfait. J'ai fait ça bien. Ça suffit. Rends-nous le manuscrit, Shay. Je suis sûr qu'à... Je refuse. Cela ne doit jamais se reproduire. Toutes ces âmes perdues. Une de plus n'y changera rien. Shay. Oh, une bastos dans le gigolos. Oh, il a mis une bastos dans le gigot. J'ai tué personne, je suis trop fort. Allez, big up la famille, si bien vous avez vu. Évidemment. Eh ben écoutez, on va se laisser là, parce que de toute façon, on va se retrouver hors Animus dans le prochain épisode. C'était donc le libre arbitre, que nous n'avons pas, réellement. Nous sommes condamnés à observer de la cinématique et même pas du QTE, et même les seules fois où on peut se barrer, on peut tuer personne. C'est frustrant, sexuellement. Enfin, moi, je sais que depuis que je commence à jouer, c'est-à-dire depuis hier, j'arrive plus à bander, c'est terrible, les gars. Bon, bah allez, c'était Knarfank sur Comme d'habitude Gaming. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vert, lâcher un commentaire. Si vous aussi, vous aimez ces jeux, si vous aussi, vous trouvez que c'est une super production, si vous aussi, vous aimez le Bibisoft, un petit pouce bleu. Si vous n'aimez pas Bibisoft, un petit pouce bleu. Si jamais votre vie est géniale, un petit pouce bleu. Si votre vie est nulle, un petit pouce bleu. Et sinon, je vous dis à la prochaine. Ciao.